et j'ai proposé comme outil HIC la consultation d'annonce en insuffisance cardiaque. Pourquoi c'est important d'envisager une consultation d'annonce en insuffisance cardiaque? Eh bien, c'est pour favoriser la compréhension de la maladie, proposer un parcours de soins individuel pour chaque patient, proposer une écoute à la fois médicale, paramédicale, psychologique et une prise en charge en fait multiple. Paramétrique, je dirais, de l'insuffisance cardiaque et de favoriser l'auto-soin du patient puisqu'en fait, il est mieux au courant de sa maladie et il va pouvoir mieux adhérer au protocole de soins. Alors, donc la consultation d'annonce en pratique, c'est 4 temps. Un premier temps, c'est un temps pré-diagnostic, je dirais, où on suspecte la maladie. Ça peut être un temps médical où on commence à expliquer au patient qu'il a peut-être cette maladie suite au dépistage avec EPOF et le dosage des peptides natriurétiques. Le deuxième temps, c'est un temps médical spécialisé avec un cardiologue où on va aborder des termes technique précis, on va aborder le diagnostic, le fonctionnement du cœur, la façon d'être suivi dans la maladie, la façon de la prendre en charge, les bonnes habitudes à prendre pour bien soigner la maladie et puis envisager le parcours de soins avec le patient. Le troisième moment, c'est un moment avec une infirmière, avec un personnel paramédical qui va prendre en compte la dimension à la fois, la dimension parcours et toute la dimension un peu psychologique et très empathique sur le retentissement de l'annonce de cette maladie, puisque en fait, comme toute maladie chronique grave, il y a un impact psychologique qui est fort et suite à cette annonce. Et donc en fait, c'est un temps où il y a un temps de restitution, de savoir comment le patient a pris les choses, quelle est sa réaction, est-ce que c'est une réaction de sidération, une réaction d'angoisse, une réaction de déni, de protection, enfin toute cette dimension un peu psychologique qui va être en fait envisagé avec un médecin ou une infirmière ou une psychologue. Et puis le quatrième temps, c'est un temps qui est fait en ville avec en général le médecin généraliste ou alors avec le cardiologue de ville pour envisager tout le suivi et la stratégie de suivi sur la prise en charge de cette insuffisance cardiaque chronique et puis de proposer le plan de soins pour suivre la prise en charge de la maladie. Donc les conditions de réussite de cette consultation d'annonce, c'est d'avoir une équipe formée, une équipe médicale, paramédicale, pharmacien aussi, qu'on pourra associer pour tout ce qui est la dimension de conciliation médicamenteuse, pour augmenter l'adhésion du patient pour son auto-soin et pour mieux prendre en charge sa maladie. Alors, dans la boîte à outils, justement, on va trouver le guide de consultation d'annonce, qui est un guide que nous, on a commencé à élaborer et qui a été enrichi par le dispositif Outilique et où en fait on pourra en fait suivre le déroulé de l'ensemble de ces consultations. Et bien en fait il va suivre le patient et à chaque étape de la consultation on va pouvoir savoir où on est, où on en est, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, comment le patient a réagi, comment l'entourage a réagi pour accueillir cette annonce.